Bonjour, hier c'était l'anniversaire de Gérard Depardieu, 75 ans, mais en ce moment c'est tous les jours sa fête. Eh oui, donc depuis le complément d'enquête, la chute de l'œuvre, et puis surtout la grosse connerie qu'il a sortie sur la gamine, eh bien en ce moment c'est la chasse au Depardieu, et dernière en date, eh bien c'est Sophie Marceau qui a dit dans Paris Match: Je refuse de tourner avec Depardieu depuis Police en 1985, je ne supportais pas son attitude grossière et déplacée, mais tout le monde trouvait ça normal. Bah oui, sûrement. Bah, il semblerait que monsieur profitait de son statut de star pour ploter, eh bien, les assistantes, etc., etc. Par contre, eh bien, il y a un truc dont personne ne parle. C'est que Gérard Depardieu, bah, pendant qu'il bossait, il y a un truc qu'il faisait que je trouve assez dégueulasse parce qu'il le faisait tout le temps. Eh bien, il pète. Je vous jure, c'est pas des conneries. Beaucoup de gens le disent. Gérard Depardieu, quand il est en tournage, il pète beaucoup. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Est-ce que tu accepterais de bosser dans un bureau avec un mec qui pète tout le temps? Et bien là, c'est la même chose. Depardieu, il pète tout le temps. Donc Depardieu, il faut qu'il prenne des cachets, etc. De toute façon, bon, je sais pas s'il va continuer à tourner pour l'instant. Mais je me pose une question. Va-t-il y avoir un comité de soutien pour l'épée de Gérard Depardieu? Eh bien, à suivre. Allez, je vous dis à plus. Bye.